Une playlist, c'est important en tabarouette pour faire l'activité que tu veux faire. Quelle sorte de musique que tu aimes d'écouter comme le matin quand tu te réveilles? C'est une bonne question. La musique que j'aime écouter, puis c'est drôle parce que si c'est pas un matin où il faut que je décolle vite, là, subtilement, je set un mood. Là, si je fais le gruau ou si je fais les crêpes ou si je fais les œufs, je peux mettre une petite playlist de musique. Mais j'aime souvent là, du vieux, la vieille musique, que ce soit anglais ou français, puis Sister Rosetta Tharpe. Fait que là, moi, je mets ça le matin. Ça ou du Ray Charles, du vieux soul. C'est bon d'avoir de la vieille musique pour sa moindre fréquence le matin. Tu peux venir comme ouvrir tes oreilles. Oui. Il n'y a pas trop de haute. Puis c'est de la musique souvent. La musique joyeuse. Ça fait que là, ça met tout le monde. Puis toi, tu. Même si c'est pas joyeux, la vieille musique sonne. Parce que c'est des souvenirs, ça sonne comme. C'est réconfortant. Il y a quelque chose dedans. Puis mon truc, je commence le volume à 2. Là, je le monte tranquillement de 2-3 dB. Comme ça, 2-3 dB. Comme ça, 2-3 dB. Puis là, à un moment donné, tout le monde est comme. Je trouve que ça réveille aussi bien que le soleil qui se pointe sur le bout du nez le matin quand tu. Ah, OK, ouais. Je trouve que c'est la musique le matin. Une playlist, c'est important à tabarouette pour faire l'activité que tu veux faire. Fait que moi, j'ai une playlist de matin. Puis si je veux comme déstabiliser tout le monde, je mets du Michael Bolton. Ça, dès le matin, tu vois ta famille comme ton audience. Exactement. Et toi, t'es comme... Oui. T'es prêt à entertainer. Je fais un spectacle. Faut que ça, c'est comme, faut que ça te prenne. Faut que tu te donnes un spectacle tout le temps. Pour ton enfant, pour ta blonde, pour ton... Dude, je pense que tu serais un vraiment bon DJ. Moi, je vois beaucoup de potentiel dans toi comme un DJ. Je fais juste de le voir, là, comme... C'est bon. Ouais.